Pékin Express. Aujourd'hui, normalement, on est en course d'orientation. Je vous donne quelques astuces pour l'adapter chez vous. C'est quoi, lapis? Avant le confinement, on avait travaillé la légende. Voici un petit document rappel. Voilà, c'est du Dragon Ball Z, c'est du Naruto, on comprend rien du tout. Pour commencer, je vous présente l'application que je vous conseille d'utiliser pour dessiner votre maison, la carte de votre maison, puisque vous êtes en confinement. Donc, cette application s'appelle Kaplan 3D Light. Et c'est une application d'architecture à l'origine, mais assez simple et gratuite sur l'Apple Store. Vous pouvez la télécharger et donc prendre soit une maison type pour partir, pour commencer, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, ou sinon, la dessiner vous-même et y intégrer progressivement les objets que vous avez dans votre maison. Donc je prends l'exemple avec un vélo elliptique, puisque actuellement on est en train de s'équiper avec ça. Vous cliquez sur le vélo elliptique et vous l'intégrez. Vous sélectionnez dessus et vous le déplacez à l'endroit où vous souhaitez. Vous pouvez aménager toute la maison de la manière suivante et progressivement, votre carte sera de plus en plus ressemblante à la réalité du terrain. Mission, assister au cours de broadcast média Une fois que vous avez fini votre carte de votre maison, vous allez dans Photos, puis vous cliquez sur Modifier et enfin sur Annoter. Vous sélectionnez la couleur violet-rose, ce qui correspond à une légende type d'une carte de course d'orientation. Le point de départ ou le point de ralliement est symbolisé par un triangle et ensuite les balises par des ronds. Vous devez vous en souvenir, on l'a vu en cours. Vous entourez 10 balises. Attention, les balises se situent bien au centre du point. Et vous allez cacher vos objets. Une fois que l'épreuve est prête, vous pouvez commencer. Cette recherche, vous pouvez la faire seule ou à plusieurs. À vous de vous organiser. Eh oui, c'est jamais toi, on le sait, c'est bon. Tu as dans les mains, faudra que je la vole. Dans Pékin Express, l'objectif est d'arriver au drapeau en premier. Pour vous, ce sera de trouver les 10 balises. Alors à vous de voir ce que c'est des balises, si c'est des Playmobil, des petits Lego ou d'autres objets différents. Le premier qui a ramené tous les 10 objets a gagné. À vous de jouer. Si vous jouez avec votre petit frère ou votre petite sœur, vous pouvez mettre en place un système d'aide à partir de Tokimulti. C'est un petit chat. Où faut-il que je cherche ? Il y a des oreilles rouges. Où il faut que je cherche ? Dans le parc. Avec deux oreilles rouges et une patte levée. J'ai compris ! Où je dois la chercher ? C'est un chat en porcelaine. Un chat en porcelaine avec deux oreilles rouges. Elle a trouvé, Christina. Elle a mis du temps, mais bon, elle a trouvé. C'est bon. Qui a fêté ses 80 ans. Vous pouvez également proposer le jeu à vos grands-parents. N'a jamais cessé de repousser ses limites. Tout le monde participe. Trolley, vélo ou encore pirogue, l'octogénaire n'a reculé devant aucune des épreuves physiques. J'en profite pour introduire le cours de demain. En attendant, amusez-vous bien. Pékin Express.